pour la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple, cette chaîne qui sera tout pour de vous, cette chaîne qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets intéressants. Sachez qu'ici nous parlons de métaverse, nous parlons de projets crypto, nous parlons d'NFT, nous parlons comme ça d'éducation financière, car nous sommes convaincus que c'est l'éducation et le savoir qui te feront grandir. Dans cette chaîne, vous allez toujours avoir de la valeur, vous allez avoir ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Voilà, parce que quotidiennement, nous faisons le décryptage et l'analyse fondamentale des projets crypto. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le Meta Pact ici. Voilà, oui, c'est un projet qu'on m'a demandé de faire une analyse fondamentale là-dessus. Voilà, donc je vais m'attarder là-dessus. Nous allons l'étudier ensemble. Donc, actuellement, il est, on va voir, on va aller au niveau des graphiques. Lorsqu'on voit le niveau des graphiques, on voit très bien que le projet est en pleine expansion. Le projet évolue très, très bien. Voilà, sur un mois, on voit très bien l'avancée sur un mois. Regardez très bien l'évolution du projet sur un mois, plus de 444%. Bon, voilà. Et lorsqu'on va sur un an, on voit très bien que le projet a évolué et il a subi pas mal de corrections. Il y a quelques zones de support, tout ça et autres. Mais bon, nous allons aller maintenant sur le site principal, ou le site officiel, pour en savoir plus là-dessus. Vous regardez le projet qu'il y a derrière parce que c'est un élément indispensable. Donc, là, ici, c'est en anglais. Voilà, donc, votre nouvel animal de compagnie préféré, vos chiens de compagnie à fourrure numérique. Pour le métaverse, il faut savoir que Metapex, c'est un projet 100% métaverse. Voilà, c'est la révolution. Voilà, donc voici donc le contrat intelligent que vous pouvez copier. Voici, voilà, dans une vidéo qui présente le projet, qui présente la métaverse dans la réalité virtuelle. Voilà, comment nous gérons le projet dans le meilleure stratégie marketing. Voilà, notre équipe expérimente notre équipe expérimentée dispose d'un large éventail de relations qui nous aideront à aller plus loin dans la phase initiale pour la sécurité, pour sécuriser notre exposition et nos fonds pour les développeurs, voilà, pour développer nos plans. Voilà, c'est vraiment clair. Voilà. Là, ils viennent vraiment résoudre un problème. Mode administrateur de la communauté, nous avons sélectionné l'un des meilleurs modes et administrateur de la scène cryptographique, et nous visons à avoir la plus grande communauté de tous les temps. Ça, c'est clair. Voilà, c'est clair parce que c'est un projet actuellement qui est en train vraiment de cartonner. Voilà, qui a pris favorablement la valeur. Développeur de blockchain de classe A, nous avons des partenariats avec les meilleures entreprises en développement pour nous aider à remplir notre feuille de route. Voilà, c'est clair. Et nos plans, là, c'est, ils ont une roadmap. Voilà, ils ont une feuille de route bien établie et actuellement, ils sont en train de la respecter. Les liens rapides, voilà, il y a une utilitaire, voilà, il y a utilité, il y a tokenomics ici. Voilà, on va voir la tokenomics de ce projet. On voit la tokenomics de ce projet, donc ce qu'il nous propose. Voilà, au niveau de la tokenomics, distribution de jetons et taxes. Voilà, on va voir. Voici dans la tokenomics du projet, voici l'offre. L'offre ici est de 100 quadrillions. 100 quadrillions, voilà, c'est vraiment énorme. Hein, c'est vraiment énorme. On va voir. Il y a 2% qui sont redistribués à nos incroyables détenteurs. Donc, tous ceux qui détiennent la monnaie, dont 2% sont partagés à tous ceux qui détiennent la crypto-monnaie. Donc, c'est intéressant de l'avoir dans un wallet décentralisé. Voilà, il faut savoir que en termes de crypto-monnaie, il y a le principe de la volatilité. Donc, une crypto-monnaie peut aujourd'hui peut faire du fois 1000, du fois 1 million, et demain, un matin, elle fait du fois 10. Donc, elle chute encore de près de 90%. Donc, les gars, l'investissement en crypto-monnaie doit être vraiment mesuré. Donc, en crypto-monnaie, ce que je recommande généralement, c'est ne pas investir l'argent qu'on n'est pas capable de perdre. Voilà, vous ne devez pas investir l'argent de votre loyer, l'argent des enfants, l'argent de votre maison, tout ça et autres. Non, non. Vous ne devez pas prendre un crédit pour investir en crypto-monnaie. Parce que si vous prenez un crédit pour investir dans une crypto-monnaie et que la crypto-monnaie, la crypto-monnaie chute après et elle a du mal à reprendre, vous allez faire comment pour pouvoir rembourser votre crédit? Donc, c'est un danger. Ne jamais prêter l'argent pour investir en crypto-monnaie parce que c'est un investissement à risque. Voilà. Mais, toujours est-il dit, qui ne risque rien n'a rien. Donc, pour avoir, il faut risquer. Voilà. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Mais, risquez intelligemment. Voilà. Maintenant, 3% sont vers la liquidité pour maintenir la stabilité du projet. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, 5%
5% mon portefeuille de preset fonds pour les jeux communautaires avec le prix en espèces 1% vers le marketing agressif. Les gars, le marketing agressif, alors c'est de toute façon, je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà, pour vous parler du marketing agressif, vous allez comprendre pourquoi les entreprises investissent autant dans le marketing. Parce que le marketing aujourd'hui, c'est un élément indispensable pour la visibilité du projet, pour la visibilité d'un projet. C'est quasi indispensable. Voilà donc. Et par la suite, ici, nous avons 2%, 2% utilisés par la technologie de l'intelligence artificielle pour racheter stratégiquement des jetons et éliminer la main en papier. Les mains en papier. Donc, les gars, de toute façon, moi, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Voilà. Et ici, également, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont verrouillé, ils ont verrouillé des portefeuilles. Donc, ils ont verrouillé un portefeuille sur Pingsal et sur Dexal. Ça, c'est vraiment intéressant. Lorsqu'un projet verrouille les crypto-monnaies, ça veut donc dire alors que derrière, il y a vraiment du loup qui arrive. Voilà. Faites partie de notre incroyable communauté. Alors, moi, je fais partie déjà de la communauté. Donc, je vais faire partie de là tout de suite. Voilà. Voilà, parce que le projet, en quelque sorte, vous voyez que actuellement ils ont combien? Ils ont déjà 33 000 abonnés. Voilà, le projet ne fait qu'évoluer. Il y a une communication quasi constante. Voilà, il y a une communication quasi permanente. Voilà, tout est bien informé. Voilà, donc les gars, je vais aller également sur Telegram ici, m'abonner directement sur Telegram. Parce que moi-même, je n'avais pas encore fait l'analyse fondamentale de ce projet. Moi, je trouve que c'est un très bon projet. Et c'est basé sur la métaverse, la réalité virtuelle. Donc, c'est du lourd, les gars. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris position, réfléchissez vous-même. Voilà. Et faites vous-même vos propres recherches. Donc, voilà. Sur Telegram, ils ont des salons qu'ils organisent. Bon, c'est pour ça qu'ils ont parlé vraiment du marketing agressif. Là, ils ont raison. Parce que s'ils organisent des salons, c'est qu'ils ont une équipe vraiment derrière, voilà, qui travaille à plein, en arrache-pied. Donc, les gars, voilà. Donc, j'ai pris position sur tous les différents. Voilà. Voilà, j'ai pris position sur tous les différents éléments. Voilà, donc, c'était encore où on était ici, là. Donc, il faut rentrer encore, voilà. 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 Ah non, non, j'étais où encore? J'espère que je n'ai pas perdu la page. Non, j'étais ici, là. Voilà, j'étais ici. Voilà, on a le livre blanc, mais le livre blanc, pour souvent, nous prendre du temps pour lire. Mais déjà, avec la tokenomique, on voit très bien comment elle répartit. 78%. 78%, alors je ne sais pas où ils ont mis les 78%. 78%, là, c'est lié à quoi? 78%, c'est. 70%, donc c'est le reste des pièces. Voilà, c'est le reste des pièces qui sera en circulation. Bon, je n'ai pas vu un système de brûlure. Je ne sais pas s'il y a un système de brûlure automatique là. Parce que 100 000 quad, 100 quadrillions, c'est quand même énorme. Donc, je ne sais pas s'il y a un système de brûlure. Mais de toute façon, je ferai d'autres recherches approfondies là-dessus. Donc, c'était juste pour partager ce projet avec vous. Voilà. Et c'est un projet qui est adossé sur la Binance Chain. Voilà, on va rentrer encore sur. Le attendez, qu'est-ce qui se passe encore? On va rentrer encore sur le. C'est un projet qui est adossé sur la Binance Smart Chain. Voilà, donc non, ça c'était le projet Gala. Et non, c'est pas ça que je voulais parler. Je vais d'abord sortir d'ici là. Je vais d'abord effacer tout ça. Effacer tout ça d'abord. Oh, ok, ça va. Je vais revenir sur Trust Wallet encore ici là. Voilà, on revient sur Trust Wallet. Voilà, mais. Donc, pour moi, c'est un projet, le MetaPack là, c'est un projet qu'il ne faut pas négliger du tout. Voilà, c'est un projet qu'il ne faut pas négliger du tout. Voilà, on va voir le nombre de zéros qu'il a actuellement. Donc, c'est un projet qui est adossé sur la Binance Smart Chain. Actuellement, il est au même prix, il a 10 zéros après la virgule. Il a 10 zéros après la virgule. Donc, c'est un projet qu'il ne faut pas négliger. Donc, les gars, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je ferai une analyse technique plus tard. Voilà, plus tard, parce que cette vidéo, elle est à 9 minutes. Voilà, il ne faudrait pas qu'elle soit très très longue. Donc, je ferai une analyse technique dessus avec les différents graphes. On va dire avant de terminer, oui, c'est un projet qui est différent des autres projets parce qu'elle a une capitalisation. Donc, elle a, voilà, le nombre d'holders est en train d'augmenter actuellement. On va bientôt atteindre les 100 000. Voilà, on va bientôt atteindre les 100 000. Le nombre de transferts est aussi élevé, 500 000 transferts déjà effectués. On va voir comment les transferts se comportent ici par seconde. Par seconde, vous voyez les transactions par seconde. Vous voyez les transactions par seconde.
par seconde. Voilà, donc ça veut dire que c'est un projet qui est vraiment plébiscité. Et voilà les différents, ça ce sont les achats sur PancakeSwap. Là, ce sont des transferts. Les transferts d'un compte à un autre. Donc, je ne sais pas s'ils ont mis en place un système anti-baleine. Voilà, moi, je n'ai pas vu cela. Peut-être ils vont l'intégrer plus tard. On va te dire, ils vont l'intégrer plus tard. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? En termes de capitalisation, voilà. Et actuellement, la capitalisation boursière de ce projet est estimée à 46 millions. Voilà, ça ne fait que le volume d'échange donné est de 500. De 4 millions 500 de poussières. Voilà l'approvisionnement total en circulation. Toutes les informations sont là. Donc, c'est un compte qui est facilement retirable parce que vous avez certaines crypto-monnaies dont vous ne savez pas retirer. Vous savez juste investir, mais quand il faut retirer, il n'y a pas de capitalisation. Donc, c'est un projet qu'il faut se pencher là-dessus. Voilà. Donc, les gars, moi je vous ai donné l'information que j'avais à mon niveau. Voilà. Donc, le reste est à vous maintenant. Voilà. S'il est listé sous CoinMarketCap, voilà. Voilà, listé sous CoinMarketCap pour voilà, le contrat intelligent, c'est Binance Smart Chain, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, les gars, je vous ai donné pas mal d'informations là. Donc, j'ai répondu favorablement à quelques questions. Voilà. Convertissez Meta en USDT, le prix donné, voilà, le prix direct du Metaverse aujourd'hui est de, voilà, voilà la valeur. Voilà la valeur. Donc, ici, voilà les différents. Les sources sur PancakeSwap, vous pouvez l'acheter sur PancakeSwap, sur Océan, voilà, sur ZT, voilà. Donc, il y a pas mal d'informations ici. Donc, je laisserai, je vais donner, parce qu'il est question ici, que pensez-vous de ce projet, votez pour la communauté, oui, parce que bah, c'est un élément que vous devez toujours faire lorsque vous appréciez un projet, parce qu'il faut donner vraiment du tonus. Lorsque vous appréciez un projet, toujours il faut voter pour le projet. C'est ce que nous les deux nous faisons. On vote pour le projet. Voilà. Vous voyez le nombre en 24. Ici on dit que pensez-vous de Metapack ici aujourd'hui? Votre vote est de 24. Voilà. Afin de mettre à jour ce que vous pensez de Metapack. Recevez demain. Voilà. Donc mon vote sera mis à jour demain. Voilà. Actuellement, regardez le nombre de pourcents de bons. Il y a 92% des personnes estiment que c'est un bon projet. Voilà. Il y a des experts parmi. Donc, les gars, j'ai fait une analyse fondamentale, pas très très poussée, mais une analyse fondamentale basique. Voilà. Plus tard, je ferai une autre analyse fondamentale. Et en plus de ça, de l'analyse technique. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Bye bye.